trouve mon futur charmant comme ami, camarade ou frère. Mais comme mari, comme amour, ce n'est pas lui que je préfère. Au ciel, qu'est-ce que j'apprends là? Je comprends ça, je comprends ça. Et puis, sans pouvoir m'en défendre, j'en ai mis un autre déjà. Un autre? Plus gentil, plus tendre. Je comprends ça, je comprends ça. Ah grand Dieu, je chancelle. Je vais m'évanouir. Mais je crois cet autre infidèle. Je crois qu'il pense à me trahir. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire qui nous a amené ici. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire. Oui, c'est la grande affaire, nous nous sommes ici. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, voilà le mystère. Oui, c'est la grande affaire qui nous appelle ici. Oui, voilà le mystère qui nous appelle ici. Connaissez-vous, mademoiselle Lange, la grande actrice de Fénon? Oui, je... très peu. Violet, Violet. À ton tour, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Elle ne s'arrête pas là, mais cette femme singulière, pour un troisième amour déjà, tromperait-ce la rivaudière. Au ciel, qu'est-ce que j'entends là? Je comprends ça, je comprends ça. On le reçoit à domicile, et le vieux parle cet traité comme un imbécile. Je comprends ça, je comprends ça. Ah grand Dieu, je chancelle, je vais m'évanouir. Et c'est avec mon infidèle que le conseil de me trahir. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire qui nous a ramené ici. Et voilà le mystère qui doit être éclairci. Oui, c'est la grande affaire. Oui, c'est la grande affaire.